Bonjour tout le monde, je vais jouer aujourd'hui à Afterlife. Je crois que c'est un jeu d'horreur. J'ai téléchargé il y a un bout de temps, donc je me souviens pas de tout. Oh, on peut jouer assis comme debout. Sauf que j'ai pas mon siège à côté de moi. On va jouer debout. Comment ça? Je vais voir juste voir dans les options. Langue, c'est bon. Dieu, ça va être bon. Graphique, général. D'accord, je voulais voir s'il y avait des niveaux de difficulté ou juste au cas avant de jouer. Ah, c'est ici. Je vais mettre facile parce que les jeux d'horreur, c'est pas trop mon truc habituellement. Ah, on peut avoir 6 sauvegardes. Bon, on va prendre le jeu 1. Oui. On va pas sauter le tutoriel, ça serait pas... Ok. Il y en a un pendu ici. Vous regardez autour de vous, déplacez la manette... Ah, j'ai pas eu le temps. Regardez autour de vous et déplacez la manette de commande vers les côtés. Comme ça? Je peux prendre ça? Je peux bouger? Non. Par contre, je peux pas aller ben loin debout. Donc, j'aurais peut-être dû me mettre assis. D'accord. Ça fait la même chose. Non. Ah! Je peux bouger comme ça. D'accord. Mette, marche. Ah, c'est ça que j'essayais de peser depuis tantôt. Oh, ça, j'ai un peu de mal, par contre. Bon, le jeu, je ne vais pas jouer très longtemps, de toute façon, parce que, en plus... tu me demandes de te déplacer peut-être par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Appuie sur la poignée pour ouvrir la porte. Oui, j'avais remarqué que c'était ça. Où est la poignée? Je vois pas. Elle doit être... Ah, elle est ici. Oh! Je vais devoir avancer un peu parce que mon aquarium... Je vais reculer et avancer pour pas toucher l'aquarium. C'est peut-être une bonne idée d'avoir un tapis à terre pour me dire où sont les limites. Parce que j'ai mis comme le truc, le salle de jeu plus grand. Mais ça n'est pas assez sous le tuyau. Tu veux dire comme ça? Plus grand pour pouvoir avoir de problèmes pour jouer. Mais je risque de défoncer mon aquarium. Je fais pas attention. Je devrais pouvoir me lever, là. Hop. De toute façon, ce jeu, il a pas fait le corps au complet. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On est sorti des manettes vers le haut, vers le bas pour courir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça là? Oui, ça c'est sûr. C'est une lame de poche. Ok. Ah, X? C'est quoi X encore? Hein? Il est dans mon inventaire? Ah oui, ok. Ça, c'est un inventaire. Cool! Ici, y a rien. Bon! Pour l'instant, mon cerveau semble tenir le cours. Un peu. J'ai la tête qui tourne un peu. Mais pas de mal de cœur. Au moins. Mettez dans la poche de l'homme de poche. Mettez dans la poche de l'homme de poche. Moi, j'ai fait.
Ok. Ok, c'est fait. Je l'ai fait. Ah, je peux le faire aussi, si. Ça, c'est quoi le bouton? Ah, oh, mais ça, je peux pas. Je serais peut-être mieux. Y a déjà les batteries dedans. Ok, comment je fais pour l'allumer, ça? Oh, pas sûr que je l'ai fait. Ah. Rien. Ah. Ok. Elle veut pas s'allumer. Ah, on peut le mettre dedans comme ça. Bon, il est rentré. Ok. Il n'y a personne. Je vois plus rien déjà. During a routine night patrol, a rookie police officer, Adam Bernard, receives a dispatch call regarding horrific events taking place at Rose Mental Hospital. Il y a le sous-titrage. The good news, Adam is just a couple of miles away, so he's sure to be the first responder. The bad news, Adam's younger sister Allison was recently sent to that exact same institution, and she's not the only one whose life is in danger. Parce que j'aurais compris la moitié de la phrase, probablement. Et des fois, ça l'aide pas. Bon, où est-ce que... Qu'est-ce que je suis? Oh, je suis dans une voiture! Ok, je... Oh! This is Adam Bernard. I'm just a couple of miles away. I hope it's nothing too serious. Ah, là, je fais semblant de conduire la voiture. Ça semble aider un peu le cerveau à pas avoir de problème. Really? A hostage situation? Si, j'ai un peu la tête qui tourne. No, it's okay, I'm on it. Oh, je vais peut-être pouvoir jouer à ce jeu sans trop de problèmes. Il suffit juste de m'habituer à la sensation. Bon. Ok. Je sors comment d'ici, moi? Oh, d'accord. On fait comme dans un film. On met un plan noir. Oh, la voiture est... Oh. D'accord. Ça voudrait dire que j'ai des problèmes avec le Steam VR. Mais ça s'est réglé. Où est-ce que je vais, moi? Hein? Est-ce que je répare la voiture? Hein? I really shouldn't go anywhere without my walkie-talkie. Un talkie-walkie? On peut ouvrir la porte de... Oh, la porte passe à travers moi. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas faire comme si la voiture... comme si j'étais... C'est quoi ça? D'accord. Ah! J'arrive pas à rentrer à l'intérieur pour aller chercher le takiwaki. Peut-être que je devrais faire l'autre côté. Ouh. Je perds l'équilibre si j'essaie de marcher en même temps. Ah, puis là encore une fois, le... Bon, ça fait pas très réaliste quand
Donc on peut passer à travers Bernard here. Les portes, mais... I'm almost at the scene. Bon. Tell the boys the road is blocked before you send them here, will you? Un peu. Visibility is quite poor. Good thing I've got a flashlight in the trunk. Une flashlight? J'ai plus de batterie dans ma flashlight. J'ai plus de flashlight. D'accord. Juste savoir. No way I'll get anywhere without my flashlight. Time to get it from the trunk. Sortir du coffre? Ok. Bon, je vais jouer encore un petit peu. Je ne jouerai pas très longtemps dessus parce que... enfin, très longtemps dessus. Peut-être je vais essayer de faire jouer une pendant une petite demi-heure. Ah, elle est là, la flashlight. Ça fonctionne? Ouais, elle fonctionne. Oh, on peut pas voir de loin. Bon. La... elle était pas fermée? J'étais sûre qu'elle était fermée, la grille. Ouh. Allez. C'est juste un mauvais moment à passer. On va y aller. Il doit y avoir un mécanisme qui rouvre les portes. Allez, soyons logiques. Même si c'est pas très logique ici. Ah. Je veux enregistrer. Ah, ça s'enregistre automatiquement. Ça, c'est cool. Ça, j'ai rien vu. On va attraper ce truc. Non. C'est la boîte. On peut ouvrir la boîte. Ouvrir une des boîtes. Oh, j'ai une pile. Elle ne veut pas rentrer. Bon, on fait pas rentrer ça encore. Bon. Pas grave. Elle est peut-être pleine aussi. Comment on fait pour rentrer ça? Continuons. C'est un animal. Qui? Qui? C'est quoi? Quelque chose m'a attaqué, mais quoi? Il y a un oiseau à terre, c'est peut-être lui qui m'a... Quoi ça? Bande d'oiseaux? Ouais, c'est bien les oiseaux qui m'attaquent.
C'est pas très accueillant. Regarde-moi ça, les cordes de pendu. Ok, quelle heure il est? Ok. Quoi? Ouvrez le menu et vérifiez vos jeux, sauvegarde et appuyez sur le bouton rouge. Ici. Comment on fait pour voir? Je ne vois pas le bouton. C'est parti de sauvegarder. C'est pas grave. Oh ouais. D'accord. Pour l'instant, à part les oiseaux, je me fais pas trop attaquer. On va reculer un peu pour permettre les oiseaux de partir. Allez, on rouvre la porte. Ah, je commence à m'habituer un peu. D'accord. Ah. Oups, on a quand même là. Hop. Ramasser la note? Non. This is the police. Anyone here? Where's the staff? It doesn't really look like an open hospital. C'est quoi ça? Care of this before it gets infected. I hope there's some meds in here. Je sais pas. Oui, c'est ce que je cherche. Mais en même temps, il vaut mieux. La porte est barrée. Oui, c'est ce que je cherche. Le moyen de passer par ici? Non. Allez. Ok, I just need a code.
besoin d'un code? On va voir ici. Non. Non. I should look for a first aid kit. S'il n'y a pas de poignée. Par contre, il y a une batterie. On va être bientôt l'heure de dîner. Peut-être dans le truc en bois, là, je pourrais... Oui, je sais. Mais il faut trouver des clés. Oh! Stop, par contre. C'est la gâchette. All right, now let's find Allison and figure out what's wrong with this goddamn place. OK. Bon, maintenant que le jeu est enregistré, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que mais pas pour ce soir, mais c'est plutôt pour aujourd'hui parce que je vais bientôt aller dîner et ça serait dommage de manquer le dîner. Bon. Alors, je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Bon, pour sortir du jeu.